Bonjour! Bonjour! Voilà. C'est la team Poupou Hiroshi! Voilà. Ouais, ça donne bien, hein. Team Poupou Hiroshi, voilà. Bref. Mais si j'en ai assez. Donc, on se retrouve pour l'épisode 4, PVP. Donc, je rencontre un mec, je pas de pitié. Surtout si c'est Wolf, vu qu'il va laguer, on peut le buter. Toujours tout nu, moi. Ah, oh, moi aussi. Moi, je suis full fer, les gars. Ah oui, mais je ramène le fer, merde. Alors, faut que je fasse attention. Mon dieu, l'avenir de notre équipe se joue entre mes mains. Et ça. C'est tellement ça quand il réfléchit. Et j'ai que 39 fer. Putain, ça va pas du tout, ça. Allez, hop. Donc alors. J'ai plus de diamants. Il y a une idée que j'ai qu'il faudra approfondir. C'est est-ce qu'on fait une salle des coffres en hauteur? C'est chaud, ça. Est-ce que vous savez s'il y a du monde qui est fort en jump? Wolf, il est absolument cheaté en jumps. Wolf, voilà, point. C'est... Il est juste craqué. Nac. Qui c'est pas une cobble ici? Wolf est pété pour ça. Ouais, plus que pété. C'est le dieu en la matière. Ouais, mais est-ce que c'est... Non, on est d'accord que dans un cas, c'est toute l'équipe qui doit être dans la salle des coffres? Je sais pas. Oui. Normalement, c'est toute l'équipe. Je sais que moi je l'ai jamais fait pour l'instant, mais c'est toujours l'idée que j'ai à chaque fois au début du FK de faire une salle avec un jump. C'est grave chaud, hein. Ouais, mais dans l'équipe à Wolf, il y a qui? Est-ce qu'on a du sable? Dans l'équipe à Wolf, il y a Naughty 2 et Pollux. Et Naughty 2. Je sais même pas qui c'est. Enfin, j'ai besoin de sable. Bon, au lieu de sable, je mets des barrières. Ouais, mais des barrières. J'ai 10 adamantium, 12 diamants, 15 diamants, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 stacks de redstone. Je récupère encore un petit peu de fer et je rentre. De manière que vous ayez du stuff pour qu'on commence à attaquer. Là. Il me faut de la cobble, bim bim bim, là. Après, je peux prendre le rôle de quelqu'un si vous voulez. Presque fini la maison. Comme ça, ça sera fait. Moi, j'avance petit à petit la muraille. Je vais aller dans le Nether, les gars. Ok. Quand je rentre. Mais oui! Mais oui! Vous savez pas le faire! Mais oui! Ce délire d'ArenaSwap, bref. C'est ça. N'empêche comment c'était fait TP dans le Nether au deuxième épisode. Je m'en rappellerai toute ma vie de cette rage que j'ai eue. Ouais, on a bien rigolé. Et comment on avait fui les combats en sneak, là? Bref. Tu sais, je pense à un truc, tu parlais de demi-dalle. Ouais. Mais on peut mettre de la dirt, on en a à l'infini, hein. Ouais, aussi, mais. Enfin, un labyrinthe de dirt. Tu peux pas faire des demi-dalles avec la dirt. Oui, non, mais tu fais juste un labyrinthe de dirt, ça t'évite de gaspiller de la cobble. Ou la cobble, on peut en avoir plein, non? Ouais, mais c'est chiant à miner. Yes. Putain, le filon de fer que j'ai là, c'est un truc de timbré. Je commence à avoir trop de trucs sur moi. J'ai pris des champignons au cas où on peut les mettre en géant. J'en ai un de chaque. Ça peut aider. Ah oui, ça peut être rigolo ça de mettre un champignon géant dans la base. Bah ouais, c'est toujours sympa. Voilà, je le récupère pas, donc on va jarter quoi. Bon, jarte les... Non, les flèches, je voulais garder. Vaut mieux les garder. Oh, je vais jarter la bouffe de zombies, on s'en bat les couilles. La violence. Voilà, bon. Hein, ça fait 4 épisodes que je suis dans les grottes, donc faut peut-être que je sorte un peu. Là. Un petit peu quand même. Hein. Un tout petit peu. Hein. Je ramène juste de manière qu'on ait assez de fer pour nous tous. Là. Genre, ouais, nickel. Genre 2 stacks, ça devrait aller. 2 stacks, ça devrait aller. Quel est le truc qui me fait le plus haïr Minecraft? Les squelettes, hein, c'est purement de la merde. Et c'est purement là pour nous casser les steaks. Casser les steaks. Plus ça. Pour rester poli. C'est pour rester poli. Voilà, un petit pattern au sol. Redstone. Toi aussi, apprends à faire une maison féerique avec Aishi. Je sais pas si elle est féerique, mais putain, elle est chelou. Mais voilà, quoi, on n'est pas là pour faire un truc de ouf. Il faut commencer à planquer le lit aussi. C'est fait, j'ai déjà fait la base en haut.
J'attends juste qu'il fasse nuit pour qu'on puisse dormir dedans. D'accord. La muraille, on a le droit de la faire à combien de haut? 5, on est d'accord? Ouais, non. Enfin, ce serait bien de faire comme dans la saison 3, tu vois. Enfin bon. Du vrai c'est Fallen bien. Kingdom. Du vrai. Tu sais, celui qui date d'il y a 2 ans, le meilleur. C'est avec des gens bien dedans. Bref. Il y a toujours au moins une personne de pas bien dedans. Oui, non mais tu pars dans l'idée que tu veux, mais moi je te parle avec où il y avait à l'époque où il y avait Natu et tout. Bref. Ah, coucou Pib. Il est là? Ouais. Tu peux le buter, non? Il met un panneau. Ah, ça. Il a mis. Attends, je vais vider mon stuff. Attention, des négociations vont prendre. Vont débuter plutôt. Il faudrait. T'as du bois vite fait, chier, pour faire un coffre? Du bois, tiens. Merci. Bon, je suis déjà passé là une fois. Tant pis pour l'XP au pire. Hein. J'ai que 4. Pourquoi tu buterais? Autre que s'il sort le panneau mais je vais te buter. Là par contre. Ah j'ai envie de faire ça. Ah j'ai envie d'aller à la base de Wolf et mettre je vais te. Et si c'est Wolf qui descend, je vais te buter. Voilà. Et Roshi est content. Non mais oui. Il a mis, j'ai fait croire au bleu qu'on était en alliance. Et il va devenir la même chose à nous en fait. Voilà, c'est trop ça. C'est tellement ça. C'est un fourbe ce Pib. Ah non mais ça c'était prévisible. Hein. Surtout qu'il est dans l'équipe M5, donc M5 niveau fils de puterie. Oh oui, il y a du assez haut level. ils veulent attaquer les jeunes à l'épisode 7-8 en 3 versus 1. Ah, on va voir pour taper Wolf. Ah ouais, à voir. Oh, attention. J'avoue parce que Wolf il va se faire focus, hein, c'est un petit peu le plus dangereux en fait. Bon alors, je rentre à la base, donc c'est quoi déjà les coordonnées? Alors 200, ouais, 100... Et dès que les jeunes die, ils veulent les prendre par derrière. Okay. Ah non, moi ça, je pense que je sais pas si bon, M5 et petit vont plus leur faire confiance, je pense, non? Pour un final rouge versus jeune. Franchement, c'est chaud. L'idée d'un final rouge versus jeune, ça, rouge versus jeune, rouge versus orange, ça se tient quand même. Ça se tient, mais c'est chaud. Contre nous, je suis d'accord, sur ce point de vue là, je suis d'accord, mais. Attention, le coup de fourbe derrière là. Ben voilà, elle est presque terminée, ma maison, Féric. Putain, on dirait que j'ai fait le logo McDonald's. Du coup, on. Pa-la-pa-pa-pa. Venez comme du coup, on est d'accord pour dire qu'on va rush les jeunes avec eux. Vas-y, au pire. Qui ont moins un petit peu d'action dans cette série. Parce qu'autre que mes morts et mon stuff qui dépop devant moi, voilà l'action de la série. Ah, c'est de l'action épique, hein. Epic action. Voilà, c'est par là. Je reconnais la passe. Alors, il me faut de la dirt, voilà. Au pire, sinon, nous on les prend par l'arrière. Bon, alors, qui sera la plus grosse pute? C'est tendu, ça. C'est-à-dire qu'on va avec eux et dès que... Allez, on joue un nouveau jeu. Qui sera la plus grosse pute? Mais bon, c'est le but du jeu. C'est ça. Il a migué. Bon, ben voilà, je pense que c'est bon. Oui, les gens, on est tombé dans la lave, mais oui, le pseudo est utile. Ah, j'ai un arc, en fait, hein. Propre, neuf. Que j'ai piqué. Il a répondu quoi? Il m'a fait une tête de zombie. C'est useless. Non, il a dit qu'il était OP pour qu'on. Enfin, on rush les autres avec eux, quoi. J'ai un peu de luminosité, je suis jamais passé par là. Tac. T'en penses quoi les chiffres du début de muraille comme ça? Attends, je viens voir. Là, j'ai c'est stylé, ouais. J'ai fait le pattern là en gros.
Putain. T'auras beaucoup de redstone ou pas? Hero. 6 stack. Ok, c'est cool, on va faire. Est-ce qu'on va faire Mass Torch? Bah attends, je vais en prendre un 7ème stack. Non, ça devrait suffire, je pense. Je garde les. Ok, on s'en fout de ma tête, hein, j'ai jarté ma tête. Au pire, je remourrai, donc on aura une deuxième tête de moi. La tête de Wham. Je suis perdu dans ces putains de grottes! C'est par là qu'il faut que je pars. Qui est-ce qui a créé des grottes de FK aussi grandes? Ah, c'est ça! La maison est presque terminée. Je fais le toit et c'est bon. Sympa! D'accord, alors attends, je me foirerai honteusement. C'est original même. Je sais pas, j'essaie de faire un truc féerique quoi. Vous pouvez me redire les coordonnées s'il vous plaît? Ah, il fait nuit en plus, on va pouvoir dormir. On est en 230-200. 230-200, c'est grosso bien. Modo. Ok, 230-200, parfait, je retiens. C'est par là-bas. D'accord. C'est marrant, on va mettre du temps avec cette muraille. Tac. Il me faudrait. C'est la première fois de ma vie qu'un squelette m'aide. J'étais bloqué dans l'eau, il me tire une flèche, pouf, il me sort de l'eau, parfait. Est-ce qu'on a de l'art de netclé? La personne a de l'art de netclé sur lui? Tiens, je vais prendre de la. Non. Boîte. Allez hop, ça sera fait en fini en vert. Voilà, c'était des échos dans. C'était des cubes. C'est ici qu'il faut que je remonte. Voilà, j'ai retrouvé. Ah! En fait, on aura eu le mineur, le farmer et le décorateur. C'est ça. Il faut tout. Hein. Voilà, donc tous les points de vue sont intéressants, les gens. Oh, c'est ça. FK. C'est ça. Bah, excuse-moi, des fois il y a des FK ou bref. Oui, non, après ça dépend des participants aussi, encore une fois. Puis bon, t'as forcément des moments où c'est moins intéressant que d'autres. Enfin, oui, voilà. Et puis t'as forcément un mec, tu vois, tu le regardes, t'es trop content, il récupère plein de stuff, puis il meurt comme une merde, ça arrive. Ah, Yoshi. Non, moi j'aime mieux encore. Moi c'est le stuff, il dépop devant mon pif. Ah, ça, c'est vrai que c'est sale ça. Ça c'est sale. Minecraft ne m'aide pas. Ou alors c'est le lapin qui s'est tapé en invisible et qui a repris le stuff, mais je pense pas, c'est... il l'aurait dit quoi. Enfin... Ouais, il l'aurait regif quoi. Mais t'as vu comment il a dépop devant notre pif et chi. Oui, ça m'a fait rire. Bon alors j'arrive. Ça m'a fait rire. Bref, il y en a un nouveau à dire. Bref. Oh mon dieu, ça a changé ici. Bonjour, ça fait 3 épisodes que je suis pas venu. Ah, c'est ça. Alors, vous êtes prêts? Alors, attention, hein. Voilà, avec voilà. Voilà, voilà, pour vous. On a ça, on a 17 diamants. On a un petit peu trop de redstone. C'est très bien, ça. Bah, regarde le coffre. Hein. Il va falloir que quelqu'un aille farmer un peu de bois. Hop, 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 hop. Il nous faudrait un deuxième coffre. Ah bah, il y en a ici. Ici, je vais vous filer... tiens, je te file de la cobble, Poku. Ah, avec plaisir. Un petit stack, ça te va? Enfin, c'est du joueur du cœur. Ouais. J'en sais prêt. Ah, moi, je veux bien... Est-ce qu'il te reste des murs en cobble? Tu sais, les murets que tu mets en bas. J'en mets partout, en fait. Est-ce que t'en as un peu? Oula, j'en genre, il m'en faut deux. Ou attends, je oui, vais vas-y, tiens. Alors, attends. C'est en haut qu'il faut aller dormir, merci. C'est ça? Non, j'ai pas mis le lit encore, le lit est en bas. Mais on va le mettre en haut. Hein. Vas-y, parce que à gauche j'y aille avant d'aller dans le nether. Ou attends, okay. Je vais peut-être en mettre à d'autres endroits. Alors attends, hop. Cobble. Ah là, j'ai mis quelques droppers. Ça peut servir. Hop, parfait. Et comme ça, on retombe directement dans de l'eau, c'est ça? Ouais, passe par au-dessus. Tac. Parfait. Ici, vous aurez du fer. Je vous en repose dans le machin. Voilà. Je vous mets les 4 d'opsy et la pioche en diams ici. Ok. Attention. Je pose les derniers.
pensais à vous faire un full stuff, on ne sait jamais. Et par contre, on peut poser des blocs comme on veut dans les heures, je crois. Oui, oui non, c'est, non, ça. C'est ça. Bon, bah j'y vais. Ah merde, j'ai 28 levels d'XP. Merde. Ouais, attends. Tu as de quoi faire la table d'enchante ? Ah oui, il y a de quoi. Bah fais-la et dépense-les. Hein. Ok. Alors, on repart dans le même débat de tout à l'heure. Est-ce qu'on fait du cumulation d'enchantes ou est-ce qu'on fait des gros enchantes d'un coup ? Je sais pas. On est en 1.7. N'oublions pas que nous sommes en 1.7. Ouais, 1.7. Qu'est-ce qu'on a ? En 1.7, moi je pense qu'il vaut mieux faire du plein de P1 et fusionner, non ? Ouais, c'est chaud quand même. Est-ce qu'il y a des bouquins ? Je sais pas. On peut en faire, il y a beaucoup de canne à sucre, mais est-ce qu'on a beaucoup de cuir ? Je sais pas. Il y a un cuir, bon bah déjà j'ai une table d'enchant. Bon bah on fait de l'accumulation, allez hop. On va cumuler les enchants, parfait. Après, je pense qu'il vaut mieux avoir plusieurs stuff P1, P2 que un seul stuff P4 et se le faire voler ou le perdre en mourant. Je suis d'accord, donc voilà, on va faire ça. Parfait. C'est ça. D'autant plus que de toute façon on va pas faire des bibliothèques, donc quoi qu'il arrive. Je l'ai mis dans la maison. Si tu veux pour troller. Non, ouais, comme tu veux. Contrat écrit avec les oranges. Et voilà, c'est fini. J'ai 15 diams. Il nous restera 15 diams. Je vous les pose, on fait ce qu'on veut. Ok. Et j'utilise beaucoup de fer pour faire beaucoup d'épées, d'accord ? Attends. J'ai fait l'enclume. Hein. Ce que ça donne. Je fais l'enclume cool, avant qu'on bouffe trop de machin. Bah voilà, elle est féerique notre maison. Elle est féerique, ça c'est sûr. Oui. Avec le totem dégueulasse devant, avec le bloc de texte de. Oh. Achievement validé. Voilà, ça m'a fait marrer. C'est pas la plus belle chose que j'ai construite de ma vie, mais bon. Bon ben voilà, pour Underground, hein, vous savez à quoi vous en tenir. Non, il y aura des choses mieux que ça, c'est Underground quand même. Ah bon? Plus de respect, pardon. Mais je sais pas. Oh mon dieu, ça fait les gars. Ouais. Je fais que des l'enchant level 1, puisque de toute façon on peut pas savoir ce qu'il y a. Ouais. Sharpness 1. Unbreaking 1. Sharpness 1. Putain, c'est vrai qu'on en a 7-10, oui, ça change tout aussi. Ah, Knockback 1. Sharpness 1. Ouais, ça fait Eric. Ouais. Sharpness 1. J'ai déjà 4 Sharpness 1 au passage. Hein. Ah, Knockback 1. Unbreaking 1. Bon alors, ça c'est fait. Je veux bien que t'ailles chercher du bois ici par contre si t'as du temps. J'ai 5 sharpness. On est toujours à l'épisode 3 là. Ouais, apparemment. Non, épisode 4. Ah oui, merde. Ah, épisode 4, ouais. Il faut que quelqu'un pense sérieusement à s'occuper de la salle des coffres. Tu veux que j'aille chercher du bois, ouais, c'est ça. Ouais, pour faire des torches de redstone. Non, on a plus de place dans les coffres en plus. Ouais, et vraiment beaucoup de bois. Parce que moi j'ai plus assez. Quelqu'un a du bois pour faire un coffre au moins ? Non. Ah, si, oui. J'en ai un peu. Tiens, attends, je vais te donner tout ce que j'ai sur moi en bois. Merci Popu. Oh, c'est bon les gars, pas besoin de tant de bois. Il me faut même pas une dizaine de bûches, hein, t'inquiète pas. Moi, je vais refaire un double coffre. Hein. Parce que je. Ouais, c'est ça. Quoi que si en fait il va en falloir. Bon, attends qu'on essaie de ranger ça quand même. T'inquiète, tu le feras après. Moi, je mets tout mon bordel là-dedans et. De toute façon, on fera pour déplacer. Pas, est-ce qu'on peut poser la TNT sur les murets ? TNT sur les murets ? Ouais, ou contre les murets ? Ah ouais, mais elle va tomber quand même. Ouais, mais il n'y aura pas de. Tac ! Protection 1. Alors, moi, je sors chercher du bois dehors, c'est ça ? Ça pourrait être protection pas mal, ouais. Yes. Niveau 10, mais. T'as pris quelques blocs de dirt ? Ouais. Ok, nickel. Histoire de pouvoir remonter. Y'a toujours pas eu de kit de PVP là ? Non. Non. Bien dit donc. Je sais pas s'il a pas vu mon message. Je vais faire un point sur l'objectif de l'épisode prochain. Ok. Bon, on va faire un autre casque. On a beaucoup de fer ou pas ? On a beaucoup de fer, beaucoup de diamants. Ouais. Ah ! Bon, je pose un casque. Aïchi ? Regarde, il y a un creeper qui m'a explosé dessus, j'aurais perdu aucun cœur. Ouais, c'est quand putain, tu m'as fait peur. Est-ce que je me fais un plastron P2 ?
ou plus tard. Comme tu veux. Parce que pour le Nether. Moi, je pense que le Nether, t'as deux une chance sur deux de mourir. Hein. Fais attention. Ok, bon, ouais. Bref. Je reste sur du P1 et je mets un. Tu vas au Nether là, c'est ça? Ouais, ouais. Oublie pas de prendre les boules de neige pour les blazes. On a le bloc d'adamantium ou pas, au fait? Oui, on l'a. Cool. Il faut que je fasse quoi avec les boules de neige? Il faut que tu prennes. Il faut que bah, tu les tires sur les blazes, ça leur fait du mal. D'accord. Bon, je vous mets pas mal d'épées dans le coffre, allez voir. Et oublie pas de prendre. De quoi faire un bloc de quartz et un bloc de netherrack. Bon, les netherrack, je m'en fous, mais. On a du sable pour les TNT ou pas? Non. Putain, par contre, on a pas eu de chance, on est pas à côté d'un lac, non? Ah, début du jour 5. Ciao! Allez, bon, allez, on se laisse là, puis on se retrouve à la prochaine. Dans le nether pour moi.